Et salut à tous, on se retrouve pour cet épisode de Stardew Valley. Donc je sais plus combien, dans la trentaine, hein, ça c'est sûr. Donc quel temps fait-il dehors? Il fait beau, donc il faut arroser tout ça. Ouais, pip pip. Et en même temps, il faut qu'on aille voir Clint, je crois, pour récupérer notre petite hache des familles. Hop, oh, on va se faire de l'oseille encore, c'est trop bien. Non, on peut pas manger l'aubergine. Hop! Mais non! Alors, ça, ça, tac. Voilà, donc c'est parti. On va aller voir nos animaux. On va leur donner du foin, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Et bah, on va aller chez Clint. On va aller chez Clint. Salut les poulettes! Salut poupoulette! Yes. Alors maintenant, du foin, du foin, du foin. Tac. Donc au final, pendant l'hiver, on pourra aller chez Marnie acheter du foin. Je vais peut-être pas trop m'enquiquiner avec ça. Pour en récolter plus. Voilà. Hein. Comme elle nous a dit qu'elle en vendait. Tac. La petite vache. Salut toi! Elle a toujours pas mangé. Elle a l'air vraiment heureux aujourd'hui. Bon, bah écoute, hein, je te laisse, Marguerite. Bye bye. Hein. Allez, c'est parti. On fait des autres omelettes. Je vais prendre 5 fers. J'ai rien amené à Clint. J'ai juste ça. On va faire les omelettes. Voilà. Allez, c'est parti. On arrosera en rentrant. Allez, c'est parti, c'est parti. On y va. Donc, ouais, on améliore notre hache en acier. Comme ça, on pourra mieux nettoyer le terrain. Et on est au jour 25. Donc, c'est toujours l'histoire du saumon ou c'est une autre chose? Aubergine. Ah bah, j'accepte. C'est dommage, j'ai déjà vendu les miennes. Mais on en aura demain, normalement, ou après-demain. On en aura rapidement. J'espère assez rapidement pour lui amener... lui amener dans les plus brefs délais, histoire que la quête ne disparaisse pas, quoi. Ouais, donc il est 9h10, donc on peut aller ici et chez Clint. Et il semble que tu n'as rien à offrir au musée. Ok, donc ce que j'ai sur moi, il l'a déjà eu. Ça veut dire... Alors, hop, on va voir Clint. Une pioche en cuivre. Voilà, on va casser un petit peu plus vite les trucs. Comme ça, on sera mieux. Donc, améliorer outil, donc je dirais la hache en acier, voilà. Je commence dès que possible. Ok, ça marche. Et bah, on a récupéré notre pioche. Et bah, vous savez quoi? On va aller à la mine, on va aller la tester. C'est parti. Tac, 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 ta, 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 ta. Et ce truc-là, bah, on le mettra à vendre, puisqu'apparemment, il l'a déjà eu. C'est un peu triste. C'est un petit peu triste. On va pas se mentir. Allez, allez, cocotte, on y va. Alors, est-ce qu'on peut atteindre le niveau 65? Il est déjà 10h du matin. Ça me paraît périlleux. Compromis, tout ce que vous voulez. Mais on va tenter. Ah, ça nous a coûté cher, la hache. Hein. Il nous reste 2000 gold. Ça a coûté cher. Pas terrible ça. Pas terrible du tout. Ouais, par là. Ah, j'ai l'impression de perdre l'esprit des fois dans ce jeu. Allez, c'est parti vers l'ascenseur. Alors, niveau 60. Alors. Ah ouais, puis c'est vrai qu'on a une nouvelle arme. J'avais zappé. Mais c'est trop bizarre ce truc! J'avais jamais attaqué avec une dague en fait. Parce que j'avais une épée. Ah, c'est trop bizarre! Vous avez vu ça? Oh, fidèle. Je suis une gamine quand c'est comme ça. Hein. Ouais, je suis une gamine. Je suis une grande gamine quand c'est comme ça. Oh bah! Nice! Que demande le peuple?
Et c'est quoi ça? Cette façon d'attaquer? Alors, en tout cas, on fait plus de dégâts. Il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas chipoté. Allez! Allez, Coco! Ah, mais... Oh! Alors... on va prendre un omelette. Hein. Notre santé descend trop vite. Alors... Bon, ouais, ça casse un peu plus vite. C'est pas encore la folie. Mais on va pouvoir l'améliorer au niveau... Y a pas d'acier, non. On va mettre à cuire plus de cuivre, du coup. Allez. On croit qu'on peut y arriver. Oh là 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 là. Il y a du fer en tout cas. Et ça, c'est bien. Et on a déjà la sortie là-bas. Ouh, on va pouvoir descendre dans cet épisode. Ouh, c'est trop bien. Allez, allez. Allez, cocotte. Et pourquoi il a ça sur sa tête? Ça veut dire qu'il va exploser? Ça se passe comment là? Je comprends pas trop là. Qu'est-ce qu'il a ce petit slime là? Avec ce truc sur sa tête. On dirait qu'il a une fleur. J'adore le bruit que ça fait quand le fantôme il crève. Ouh, trop bien. Botte thermique. On va regarder ce que c'est après. Oh, tu crois qu'on a des ennemis là. Allez, Coco. On y va. Alors, on va ramasser le fer, bien évidemment. Ça, on pourra améliorer la pioche. Bon, en tout cas, ouais, on fait plus d'attaques. On fait plus de dégâts, donc c'est bien, je trouve. Alors... Ah, sur les slimes, il faut en tuer pour la guilde des aventuriers, donc hop, on tue. Hein. C'est important. J'ai failli pas faire gaffe au PV. Hein. Alors là, on a pu clapser en 2-2. Allez. Ouais, on a une façon d'attaquer très bizarre, mais on fait plus de dégâts. Donc moi, je dis que c'est valide. Là, elle s'est tournée alors que j'ai rien fait pour qu'elle se tourne. God, oui. Et franchement, ce jeu, des fois, il est excellent. C'est fou. Alors, il y a encore un slime, mais il y a une chauve-souris, elle va me saouler. Bon, écoutez, on descend. Pff, ouais, non, j'ai pas envie de manger, en fait, tout de suite. Alors, faut casser les gros rochers, là, pour pouvoir passer partout. Hop. Ah, faut que j'aille voir Marnie, aussi. Allez copains, viens. Allez viens Batman. Ah bah deux Batman. Deux Batman pour le prix d'un. Donc pas de fer ici. Là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non. Demi-tour. Encore un Batman, on a entendu. Bon, l'améthyste me sert à rien pour le moment. Et d'un côté, si je le prends pas, ça tombe. À un moment donné, ça va nous servir. Et puis, bah, je regretterai de pas l'avoir pris. Donc, on va le prendre. Mais il va falloir trouver la sortie, visiblement. On va quand même plus vite à casser. Hein. Il était temps qu'on améliore notre pioche. Allô. Ah, des caisses. Ouais, il y en a plein. La vache. Mais... Des fois, le perso veut pas bien se placer, c'est horrible. Ouh.
Oh, c'est quoi cette arme? J'ai l'impression que c'est une batte. Alors, attendez. Hop. 18. Wow. Wow, ça fait tant de dégâts que ça, ce truc. Oh là. Oh, bah alors là, j'adopte direct, hein, si c'est ça. Alors là, je vous jure, hein. Apparemment, la vitesse, elle est plus ralentie, mais bon, écoutez. Ce contre le fantôme, ça peut être sympa, vous voyez, parce que le temps qu'ils reviennent, ça met du temps. Donc ça peut être bien de leur faire plus de dégâts. Alors, il faut qu'on trouve la sortie. Allez, s'il te plaît. Il est déjà 19h. Il faut qu'on arrose en rentrant. Allez, s'il vous plaît, le niveau 65. Toujours pas? Allez, quoi, sois sympa. What? Et je vais devoir aller où? Mathusalem? Ça se passe comment? Allez! Oh là 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 là. Ah non, je peux pas sortir sans avoir le niveau 65 là. Je suis au niveau 64. Ah punaise! Voilà! Ah d'accord, j'ai dû appuyer sur le niveau 5, je pense. Allez, c'est parti, on rentre à la H-baraque et on va l'arroser tout ça. Première journée bien remplie, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt cool. Niveau 65, on a récupéré notre pioche, on a mis la hache. Oh, voilà quoi, c'est plutôt bien. Et on a Marguerite depuis l'épisode dernier. Donc tout passe de bons augures, on va dire. Du coup, la prochaine journée, on va passer chez Marnie, voir pour les autres animaux comment ça se passe, parce que je suis un petit peu déception. On va pas se mentir. Hop. Allez, je fais une ellipse, le temps d'arroser tout ça, et je vous reprends après. Et on se retrouve. Donc j'ai tout arrosé, je suis ric-rac niveau énergie, mais bon, on s'en fiche, vu que, bah, voilà, on a fini. Donc ouais, j'ai récupéré ça, en arrosant. Donc écoutez, ma foi, on fera avec. Donc la sève, ça va là-dedans, ça je le mets aussi. Le reste, ça va là-dedans, je pense. Tac. Hop. Ah, on a du bois. Tac. Ah oui, c'est vrai ça, j'avais zappé. Donc, 2 de défense plus 1 d'immunité. Ah, il y a plus d'immunité sur celle-là, mais en même temps... Moi, je préfère garder celle que j'ai. La batte, on la testera une autre fois, du coup. Donc, on va aller mettre à vendre le morceau de maïs que j'ai eu. Et ça. Voilà, donc c'est parti, on va faire de 2. Comme ça, la première journée de l'épisode sera faite. Allez, hop, c'est parti. Oh, mon petit chien fait déjà dodo. C'est trop mignon. Hop, allez, c'est parti. Ah bon, on s'est refait un peu de gold, écoutez. 26e jour. Bientôt, ça va être l'hiver. On va revoir le panier, tout ça. Ça va être bien. Pour les quêtes. Oh, il flotte, apparemment. C'est bon, ça. Et on a des citrouilles. Donc nickel, on va pouvoir respecter la quête. Non, c'est pas encore prêt. Bon, au moins on n'a pas arrosé. Et on a le maïs à ramasser aussi. Et on va se refaire du gold. C'est bon ça. Non, on peut pas le manger. Hop. Et c'est compliqué à ramasser le maïs à chaque fois. Je vous jure, c'est pas évident. Et on a des aubergines. Eh ben, on va pouvoir faire les quêtes. Non, je veux voir mon courrier, merci. Mais non, mais... Il m'énerve, hein. Alors, hello, l'air se rafraîchit, n'est-ce pas? Ça pourrait être l'hiver qui approche. Ou bien encore, la venue d'un étrange spectre. Venu nous aider à célébrer le réveillon des esprits qui a lieu demain. Viens au centre-ville à 22h si tu veux participer, Mère Lewis. Ok. Donc en gros, ça va être Halloween. Alors, on a un autre lingot de fer. Donc ça nous en fait 2.
Et on va faire cuire du cuivre, histoire de pouvoir avoir du fer. Ou alors, on va faire ça. Alors, attendez. Faut que je garde une aubergine, une citrouille. Il faut que je trouve où est Evelyne et où est Caroline. Alors, Caroline, c'est la femme de Pierre. Si je dis pas de bêtises. Hop, hop. On va aller voir nos petits animaux. Mais Evelyne, je vois pas qui c'est. Alors par contre, ça va être problématique. Non. Je vais pas manger l'œuf. Merci, je veux le foin, c'est parfait. Voilà, salut les poulettes. On va aller voir la vache où elle en est. C'est bien, on va pouvoir faire nos quêtes. C'est cool. Hop, une petite caresse. Un petit morceau de foin. Salut, Marguerite. Alors, on va remettre un truc à cuire. Allez, c'est parti, on va aller voir Marnie. On va aller voir si on peut avoir d'autres animaux ou pas. Parce que j'aimerais bien savoir. Sinon, il va falloir que je trouve comment faire pour avoir d'autres animaux. Donc, ça va être un petit peu problématique. Alors, il faut qu'on trouve où est Evelyne et il faut qu'on trouve Caroline. Bon, Caroline, je pense qu'en allant chez Pierre, on devrait la trouver. Je pense. C'est fermé, ouverture à 9h. Oh bon, on va attendre. Je crois qu'il y a un champignon là-bas. On va y ramasser le champignon qui traîne. Ah ouais. Il y a deux champignons même. Deux pour le prix d'un. C'est-il pas beau? Et il est 9h, voilà. Toulou, toulou, toulou. Salut Marnie. Acheter animaux. Eh non, je peux pas. Ah, une grande grange, grand poulailler. Ah, d'accord. Donc je peux améliorer mon poulailler, ça veut dire. Ah, il faut que je passe chez Robin. Salut Marnie. Alors, Evelyne. Alors là, Evelyne et Alex, ils habitent là. Et à côté d'épicerie de chez Pierre. Ok, donc on va chez Pierre. Alors on va trouver Caroline pour lui donner. Caroline, c'est la citrouille qu'elle veut. Tala, tala, tala. Allez. Oui, il y a une mur. On va bientôt avoir fini l'automne. Graines à vendre, sans blague. Où est ta femme? C'est Abigail. Où est Caroline? Caroline, t'es où? Caroline, ramène tes fesses. Ah, elle est là. Si tu dis pas de bêtises, c'est elle. Avant, je vais lui parler parce que imaginez, je vais lui donner le truc. Caroline, mon jardin se porte bien aujourd'hui. Et notre facture d'eau aura diminué ce mois-ci. Nice. Alors, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. C'est bien. Oh, la citrouille, c'en est une bonne. Abigail sera enchantée. Merci, Hello. Bah, merci à toi. 500 gold. Merci, madame. Du coup. Non, on peut rien planter de plus, donc il faut attendre. Il faut attendre qu'on passe à la prochaine saison. On peut pas se permettre d'utiliser de l'argent, là. J'aime pas ça. Alors. C'est là, du coup? Non, là, je suis là où il y a le saloon, donc c'est plus haut. Et je suis plus haut, en fait. Le saloon, il est un petit peu plus bas. Est-ce qu'il y a notre maison, là? Bah non, là, c'est ça. Alors, attends. Bah, je vais rentrer. Ce sera plus simple. J'ai l'impression que sur le plan... C'est elle, Evelyne? D'accord.
Georges passe ses journées devant cette fichue télévision. Oh, c'est ce que j'avais demandé, c'est parfait. Voilà ton paiement comme promis. Merci madame. J'aimerais qu'il sorte un peu plus souvent. L'air frais lui ferait du bien. Tu m'étonnes. Merci toi. Non, hello, tu cliques pas bien. 180, bon, écoutez, pour une aubergine, moi je dis que c'est plutôt bien. Du coup, ça on a. Est-ce qu'on retente la mine? Non, faut que j'aille chez Robin. Il faut que je passe chez Robin, voir pour le poulailler comment ça se passe. Pour améliorer mon poulailler. Alors. Où je suis? Ok, je suis là. En fait, si je vais à la mine, je vais pas pouvoir descendre de 5 étages, vu l'heure. Donc ça sert à rien. Ça serait gaspiller du temps. Tac, donc. Oh, tu m'étonnes, quel temps. Parce qu'on voit plein de trucs. Bon, l'écurie, c'est pour le cheval. Parce qu'en gros, moi, j'ai mon poulailler, mais je veux l'améliorer. En gros, c'est un peu ça le délire. Grande grange. Ah, moi j'ai fait la grange classique, c'est ça? Grand poulailler! Ah ouais! Ok! Usine à slime. Oh purée, si j'avais su, j'aurais fait directement la grande grange, quoi. Ah! Zut alors! Bon! Là, on tombe des nues. On va pas se mentir. Donc, ok, il me faut 10 000. Ok, ça marche. Bon, bye bye bye. Ça sera pas pour tout de suite. Je sais plus s'il faut que j'aille récupérer mon truc chez Clint là. On va y passer du coup parce que je sais plus. Je perds la notion du temps. Et des jours. Ouais, du coup je suis un petit peu enquiquinée là. 10 000. Bon, avec du bois, de la pierre bien évidemment, mais ça c'est pas encore trop grave, j'ai envie de dire. Non, c'est pas là. Et plus bas. Non, bah c'est Jojo machin chouette là. Ah, flûte! Ah, si j'avais su, j'aurais fait directement la grande grange quoi. Parce que là, on va t'enquiquiner. Ah, je suis déception. Ah, j'aime pas être déception. J'ai encore du travail sur ton matériel. Ok, ça marche. À plus tard. Donc au prochain épisode on viendra récupérer, mais là c'est mortadelle, comme on peut dire. Alors on va passer à la plage, écoutez, hein, parce qu'on a du temps à tuer. On va aller voir s'il y a des trucs à ramasser. On va passer du coup voir Willy, tiens. Comme ça, bah, on verra si on peut lui acheter des poissons et tout, histoire de voir. Pour les quêtes des Géminos. Ça fait plusieurs épisodes qu'on n'a rien fait au niveau des Géminos, qu'on n'avance pas au niveau des quêtes. Ça m'embête, mais je pense que c'est un moment de stagnation et qu'après on pourra repartir un peu plus au niveau des quêtes. Parce qu'on en a fait pas mal quand même dernièrement. Alors le corail à récupérer, après bon, on va passer voir Willy. En tout cas, l'histoire des fertilisants, j'ai envie de tenter, mais en même temps je me dis que c'est de l'argent en moins quoi. Alors, on veut voir Willy, nous. J'espère qu'il est pas déjà en train de pêcher. Non, c'est bon. Hop, 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 hop. Voilà. Ah ouais, donc on peut pas lui acheter de poisson. C'est dommage ça. J'aurais bien voulu pouvoir lui acheter le poisson. Vous voyez, acheter les différents poissons qu'il me faut, quitte à ce que ça me coûte cher. Mais j'aime pas pêcher, donc ça va m'embêter pour la quête des Géminos. J'aimerais bien tout faire, en fait. Ça, c'est que là, j'ai pas la hache pour pouvoir déblayer notre terrain. Et j'ai de l'énergie en trop. Il pleut. Et on va passer au saloon, on va voir s'il y a des gens. Bonsoir, Hello. C'est bon de voir que tu te détends un peu au saloon. C'est important de prendre une pause de temps en temps. Ton grand-père travaillait trop dur. Tiens, je vais boire un verre. En son honneur ce soir. Sympa. Ah d'accord, il me redit la même chose. Ok, ok, on a compris. Une fois ça suffit, tu sais. Ah tiens, il y a Mister là.
Rien de tel qu'un jauja colafré par une journée comme ça, hein. Moi, si tu le dis. Rien de tel qu'un... Ok, bon. Super, ils nous disent 15 fois la même chose. Youpi, trop bien. C'est trop bien, je suis ravie. Allez, salut, amusez-vous bien, les gars. Bon. Déception. On va faire tuire un peu plus de cuivre pour pouvoir avoir du fer. Comme ça, au moins, on pourra avancer. La hache, du coup. La pioche, pardon. La pioche en acier. Ça pourrait être bien. Mais du coup, ouais. L'histoire de l'arrosoir, je suis vraiment déçue, quoi. Je pensais pas que... Hop. Là, j'en ai plus de cuivre de cuit. Ouais. Alors, attendez. Donc là, il faudrait que je fasse ici labourer, que je décale mon chemin. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, quoi. Non. Ok. Parce que ça, il va falloir que on s'y prépare. Le cuivre, il est prêt. C'est bien ça. Alors, on a combien? J'en ai trois. Ok. Non, faut que je garde ça. Ah, je peux vendre des trucs, par contre. Champignons, ça. Ouais, les œufs étoilés, on va les vendre quand on en a. Ça peut être bien pour nous rapporter un peu plus d'argent. Donc là, tac, ça c'est fait. 17h50. Bon, on va nettoyer un peu les cailloux qui traînent. On a quelques caillasses qui traînent et qui nous saoulent par-ci par-là. Donc on va déblayer un peu ça. Hop. Ah, on a du miel. Est-ce que... Ah, pas assez solide, donc il faudra celle en acier. Ok. Soit il va nous falloir les ressources pour faire les trucs avec Robin, donc voilà, il faut pas hésiter à récupérer un peu les ressources. Mais ça va coûter cher en ressources, tout ça. Hop. Tous les gros cailloux, dès qu'on a celle en fer, ouais, en acier, on pourra tout déblayer. Bon, c'est plutôt bien. Hop. Tac. Je peux pas passer. Mais... Des fois, c'est n'importe quoi. Bon, c'est la nuit. Ouais, ça cause un tout petit arbuste, on peut pas passer. Mais c'est n'importe quoi des fois. Alors, ça je range. Les cailloux, on range. On avait vu... Ah, je crois que c'était 500, donc on en est pas loin. Le bois, par contre, 172. Oh, je sais plus les quantités, il faudrait que je regarde tout ça, que je check. Tac. Hop, on commence à vendre. Voilà, donc c'est parti, on va dormir. La deuxième journée est finie, donc voilà, on est un petit peu embêté avec l'histoire du temps, tout ça, mais bon. On avance, on avance, on avance plutôt bien. Hop, voilà, un petit dodo. Wow, punaise! Ah ouais! Ah ouais, on a pas mal de gold. Attendez, on a combien de gold là? Avant que je m'arrête. Ouais, on a ce qu'il faut pour pouvoir faire le poulailler de luxe et tout. Alors, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous et bye bye à tous!